Salut à tous et bienvenue dans ce Bacast 46 consacré à Kaguya, le conte de la princesse Kaguya. Et pour ce faire, pour faire cette belle émission qui est sur une œuvre palpitante, j'ai invité Romain. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Choupinou, comment tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. tu m'as sorti de ma grotte, là j'étais en pleine vacances. C'est ça, mais voilà. Exactement. Ça. Si tu veux, je cofinancerai un crowdfunding pour te payer un rasoir. C'est ça en fait. En fait, on va être de plus en plus sale et de plus en plus on va avoir une barbe et tout. Exactement. C'est ce qui marche, je pense. Alors tiens, d'ailleurs, vite fait, avant de commencer l'émission, est-ce que tu veux nous parler de Tipeee? Parce qu'il y a tout Cinéfuzz qui est sur Tipeee. Ouais, alors Tipeee, c'est un nouveau site de crowdfunding, un tout petit peu différent de Ulule. En fait, ça permet de financer, enfin de faire des sortes d'aides à des émissions comme les nôtres, comme Bacast, Cinéfuzz et Tokoscope. Mm-hmm. Et en fait, au lieu de donner une aide comme Ulule et d'atteindre un objectif, vous décidez par exemple de mettre 1, 3 euros, 10 euros par mois ou par émission, ça dépend des... 100 euros, comme vous voulez. Ce que vous voulez. Et l'idée, c'est qu'à chaque palier que vous franchissez, par exemple, c'est que les gens qui décident de mettre 15 euros par mois, ils ont accès à des contenus exclusifs qui vont arriver, etc. Et l'idée, évidemment, c'est que l'argent que vous mettez, donc vous pouvez arrêter quand vous voulez, donc il y a pas de, c'est pas un abonnement à l'année quoi, on n'est pas Apple quoi, on aimerait bien, on l'est pas. Et donc du coup, donc vous pouvez arrêter quand vous voulez, et par contre vous avez des contreparties en échange dans le sexuel, non. Non, c'est pas vrai, d'ordre audiovisuel. Il vous fera une vidéo de striptease. Audiovisuel, c'est-à-dire des messages personnalisés, des contenus exclusifs, oui. Des petites vidéos en plus, des émissions en avance, voilà, plein de petites... Ouais, et surtout, c'est pas en plein, Bacast est revenu en... Oui. Alors, on a réussi déjà à avoir un petit peu d'argent. Du coup, déjà, merci beaucoup à vous, parce que vraiment, là, ça nous a bien touché. Un petit engouement rapidement, les gens ils nous ont donné, ça fait super plaisir. Et des gens en plus qui communiquent beaucoup avec nous via Facebook, Twitter, etc. Et déjà, donc, on a pu s'acheter un serveur qui est beaucoup plus conséquent et on a pu mettre Bacast, donc re-Bacast sur iTunes et surtout Tokuscope qui a fait son entrée sur iTunes. Et Cinéfuzz qui est aussi. Donc du coup, en fait, toutes les émissions sont maintenant disponibles. On peut télécharger directement et s'abonner sur iTunes pour vous les envoyer sur l'iPad, l'iPhone. Donc si vous voulez soutenir tout le consortium Cinéfuzz, bah allez-y directement sur la page de Tipeee. Triumvir. Et voilà, on vous dit, on voulait pas faire un Tipeee juste par émission. On voulait faire pour tout le monde parce qu'en fait on est tous dans toutes les émissions. C'est-à-dire que Romain, s'il n'est pas devant, il est derrière. C'est bizarre comment il fait, c'est ça. Derrière la caméra, bien sûr. Bon, alors, on va parler de la princesse Kaguya. Exactement, de Isao Takahata. Mm. Donc, Isao Takahata, c'est celui qui a co-créé le studio Ghibli avec Miyazaki. Mm. D'ailleurs, c'est le dernier film de studio Ghibli. C'est ça. Et ils ont, ce studio-là a produit les deux films en même temps, donc Le Vent se lève et Kaguya. À savoir que, bien sûr, il y a eu un espacement, parce qu'il devait sortir les deux en été. Ouais, ça a été décalé. Oui, et ça a été décalé au Japon, bien sûr. Nous, on l'a eu en janvier, décembre-janvier, et puis là, il vient de sortir juste Kaguya. Et il s'avère que c'est un réalisateur qui tranche vraiment avec Miyazaki. Miyazaki, c'est généralement plus l'aspect onirique, magique, avec plein de créatures, etc. La fantasy. Et Takahata a toujours visé plus l'aspect historique, social. Bah, il est moins connu que Miyazaki, peut-être du grand public, c'est ça. Et par contre, il est plus aimé, on va dire, d'une critique plus sérieuse qui va un petit peu adorer chez lui ce côté réaliste, ce côté historique. Voilà, il y a quelque chose de plus sérieux, enfin de plus festif, qui plaît plus, on va dire. C'est vrai. Voilà. Mais les deux sont justement intéressants parce que c'est... Ils se complètent vraiment. Ils se complètent et ils ne font pas exactement le même style de cinéma, quoi. Ouais, exactement. Et à savoir aussi qu'il n'a pas fait que des films Ghibli. Il avait aussi réalisé des séries, notamment Heidi. Bon, je ne vous la conseille pas forcément, sauf si vous avez une petite fille de 2-3 ans. Heidi, c'est le... C'est Isao Takahata qui avait fait la série. Ça n'a rien à voir avec le truc, le logiciel pour aider les enfants. Non, c'est pas ça. Il avait fait aussi des films, notamment qui est La Petite Peste, que vous avez en DVD, ou alors Horus, le Prince du Soleil, qui sont vraiment de très très grands films. Et donc là, le conte de la princesse Kaguya, on y vient de suite. Thank you.
Allô, mon cher Romain, veux-tu nous raconter ce petit film qui est dans nos salles actuellement ? Alors oui, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui apparaît dans une pousse de bambou et qui est donc récupérée par un paysan, un vieux paysan, avec sa femme, qui vont décider justement d'élever cette petite fille, qui du coup est très bizarre, parce qu'au fur et à mesure, elle va grandir. Et ouais, grandit elle va très évoluer vite. Au fur et à mesure, voilà. Mm. Arriver très vite à l'âge de raison. Et du coup, le paysan va recevoir des nouveaux présents mystérieux, notamment de... Dans la bambouserie. Voilà, ouais, de l'argent, du tissu, etc., qui vont lui faire croire que cette petite fille doit devenir une princesse, et doit épouser un riche homme pour devenir cette princesse. Mm. Et du coup, il va tout faire pour... transformer la petite fille qui du coup était une enfant de paysan et qui vit très bien en princesse, une grande princesse de la ville, etc. Voilà, le paysan, voilà. De la paysanne, il va en faire une noble, ouais, il l'a forcé à être une noble. Oui. Après, est-ce que c'est contre ou avec sa volonté? Voilà, c'est tout le film est là-dessus en fait. Voilà, mais c'est ça, et puis donc du coup, on suit vraiment, c'est un film sur la vie d'un personnage, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. On la suit vraiment tout petit jusqu'à... jusqu'à... Mais en fait, c'est effectivement ça, c'est une fresque. Mm. Mais c'est une fresque où on a l'impression qu'on voit toute une vie entière. Vite, en fait. Mais finalement, comme elle pousse très vite, je pense que doit y même pas avoir 20 ans hein, qui ouais, se passe, hein, 15-20 ans, ouais. Quoi. Mm. Et du coup, ça fait des trucs très bizarres entre les personnages. Plutôt. Enfin, elle a une idylle avec un jeune paysan, et du coup, à un moment, qui est plus vieux au début. Fille, et puis après, ça devient une fille qui a son âge, donc du coup, il y a de l'attirance. Vous savez, bon, c'est étonnant. Et donc, oui, on n'a pas dit que c'était adapté d'un conte japonais apparemment très connu, que j'avais pas trop entendu parler, mais quand on se renseigne un petit peu, il y a plusieurs versions du conte, il y a eu plusieurs films adaptés de ce conte, et Takahata, ça faisait apparemment des années qu'il voulait l'adapter, celui-là. C'est le genre de l'un des contes les plus populaires, et j'avais parlé aussi d'un autre conte dans le dernier bac anime consacré à Lamu, j'avais parlé d'un conte qui s'appelle Urashima Taro. Et apparemment, c'est deux contes qui ont été extrêmement exploités dans la culture populaire, ouais, que ce soit la musique, les romans, le théâtre, les animés, hein, les films. Il y en a eu vraiment beaucoup. Et donc là, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va internationaliser pardon, le conte, ouais. Parce que du coup, c'est un gros film de Studio Ghibli qui sort et qui part directement là-dessus. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait une édition du conte qui sorte. Je pense, oui, surtout qu'apparemment, il y a eu d'autres versions en manga, etc. Mm. Voilà, donc apparemment, c'est plutôt pas mal. Mm. Effectivement. Puis en ce moment, tu as un animé qui s'appelle Nobunaga the Fool. Alors, c'est un animé par le créateur de Macross, mais qui est très très spécial en fait. Mmh. C'est un gros nawak où il a mis des noms un peu comme ci, comme ça, à n'importe qui. Kaguya, les noms. Et en fait, Jeanne d'Arc, elle s'appelle Jeanne Kaguya d'Arc. D'accord. Très très très, très bizarre. Bien. Voilà, et il y a plein de trucs comme ça dans cet animé. Enfin bref, t'as aimé alors ou pas cette histoire? Oui, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai trouvé ça. J'ai préféré la première partie, honnêtement. Ouais. Mais la deuxième partie est plus dure. La deuxième partie dans la ville, hein, c'est ça? Oui, parce qu'il y a une partie dans la ville et une partie dans la forêt, enfin, quand elle est paysanne. À la montagne. Et c'est que des moments de vie, en fait, la première partie. Donc c'est très touchant, puis c'est super beau et tout. Donc c'est vraiment agréable, en fait, t'es bien. T'as vraiment envie de t'en aller. Et en fait, mais après, la deuxième partie est plus dure. En fait, elle rappelle des films classiques japonais. C'est-à-dire d'un coup le cadre devient beaucoup plus fixe, vous avez des choses sur la bienséance, sur comment se comporter en tant que noble, etc. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un film d'auteur. Dans un film de Kenji Mizuguchi, qui te raconte l'histoire d'une personne avec tous les codes. Ça devient beaucoup plus fixe, quoi, tu vois, même c'est vachement plus lent, etc. Donc il faut prendre ce rythme un petit peu comme elle, et voilà. Et puis tu sens qu'elle subit, donc tu subis un peu avec elle. Donc la deuxième partie est un peu plus désagréable, quoi. Je sais pas si je me reverrai le film, parce que je serais en train de dire. Et puis comme c'est un conte, il y a des éléments de conte, quoi. C'est-à-dire il y a des éléments un peu répétitifs qui font que... Du coup, que ça étire un peu l'histoire, effectivement. Mais bon, c'est des petits... Est-ce que tu as trouvé le film du coup lent? Parce que je sais qu'il y en a qui trouvent le film un peu trop long. Long, non. Il fait quand même 2h20, le film. Non, mais attends, c'est comme quand tu le vois... je vais prendre un truc à rien à voir, mais dans ma tête, c'est comme quand tu le vois, il est une fois en Amérique, c'est un film sur une vie d'une personne, tu te tapes le film en sachant que tu... Voilà, et quand tu y vas, tu sais que tu vas te taper 4h30, tu vas te taper 4h30. C'est des expériences de cinéma. C'est exactement. Il faut les voir comme donc, ça. Donc, une fresque en 1h30, tu les vois pas tous les jours. Quelque chose, quoi. Personne ne voit Barry Lyndon tous les jours. Ou alors, ça va pas, quoi. Mm. Mais par contre, c'est des films. Voilà, il faut ce genre de film parce que c'est des films qui procurent des émotions beaucoup plus puissantes, assez puissantes et différentes. Donc, c'est bien. Il faut des choses comme ça. Surtout qu'il n'y en a pas tellement dans l'animation japonaise, hein, parce que les films, ça sert d'être aussi long. Parce qu'un film d'animation japonaise, ça coûte une blinde. Hein, d'animation tout court, ça coûte vraiment.
très cher. Regarde, les premiers Disney, c'était, ça faisait qu'une heure, une heure dix, quoi, tu vois. Donc, généralement, on est dans un standard d'une heure trente, une heure cinquante. Il fait 2h20. Il est vraiment très long. C'est vrai, mais c'est vrai. Et de plus en plus, hein, les films. Et le film de Miyazaki aussi est très long. Mais le film de Miyazaki est moins sur la vie du personnage. Enfin, on le suit plus sur une période donnée, quoi. Oui. Mais c'est un film qui est assez marquant, en fait. Pour moi, je suis sorti, tout le monde chialait. C'était, ouais. J'avais l'impression de sortir d'un enterrement. C'était sympa. Et puis, il tire le truc quand même. Hein. C'est-à-dire que Takahata, c'est un mec. Enfin, si les gens qui ont vu le Tombeau des Lucioles sauront pourquoi. C'est quand même un mec, quand il a envie, il veut te faire pleurer, il cherche, quoi. Et parfois, je trouve ça un peu trop d'ailleurs. C'est des. Il y a parfois des mécanismes un peu où tu le vois. Et à la fin, c'est vraiment du genre. Non, mais là, on va leur ajouter un petit truc, quoi. Mais c'est honnête en plus. C'est pas du mécanisme de base, mais c'est. C'est vraiment honnête, mais il y va à fond, quoi. C'est-à-dire que quand il va dans du pathos, il y va à fond, quoi. Bah, surtout que, comme tu le disais, c'est vrai que vous avez un début où elle est même bébé, elle est enfant, donc il y a plein de vie, c'est mignon, vous souriez tout le temps parce qu'elle fait des conneries, etc. Mmh. C'est vraiment agréable. Après, elle arrive à la ville, elle devient mélancolique. Et c'est souvent ça qui l'a exploité, Takahata. Ah, tu sais, il avait fait le film Souvenir goutte à goutte, où c'est une femme qui revient dans sa ville natale, donc à la campagne. Et du coup, elle a énormément de nostalgie. Et ça crée une mélancolie. Et là, c'est ça, sauf que la mélancolie, elle devient dépression. Mais c'est même comme Pompoko, c'est un peu ça, parce qu'au début, il y a la fantaisie et tout, puis au fur et à mesure, t'as la ville qui s'oppose à la nature. Oui, c'est toujours ça. Et puis, t'as la mélancolie de ce qu'ils ne sont plus, en fait. Ils sont obligés de se transformer, comme elle, un peu. C'est un peu dans la même délire, en fait. Les changements, même dans les Yamada, tu voyais, des fois dans les petits sketchs, tu voyais les petits changements qui se passaient dans le quartier. Ah, tiens, ça change. Bon, bah, tu vois, c'est, la vie, elle évolue. Et est-ce que c'est forcément bien? Elle avait dit qu'il a fait ce film pour montrer que la vie est belle. La vie est belle. Non, mais que c'était un film pour montrer qu'il y avait plein de belles choses, etc. Et en même temps, c'est un film où tu passes ton temps à voir la fille souffrir. Donc c'est un petit peu un paradoxe du film. Mais étonnamment, c'est un film très optimiste. Purement en fait. Japonais, ça. Hein, de montrer la noirceur des choses pour y déceler vraiment la lumière. Mais c'est ce qu'on disait avant de tourner, c'est que je trouvais que le Miyazaki est un film ultra dark, ultra sombre et assez pessimiste. Où en gros, on t'explique qu'à part être dans ta tête, tu vas passer à côté des choses. Même si t'es un génie, etc. Ce film est. Et pourtant, il y a pas autant de. Enfin, on ne voit pas autant de morts que ça dans le film. Même, même sa femme et tout, on ne voit pas ce genre de choses. Non. Et alors que dans celui-là, c'est un film vachement qui est vachement plus dur, où vraiment on nous met face à des choses, face à la perte, etc. Et puis surtout, la thématique contexte est social. Plus optimiste, en fait. Contexte social où c'est. Il y a des codes, c'est comme ça. Il y a des coutumes, tu peux pas y déroger. Oui, mais la leçon de fin est beaucoup plus optimiste et beaucoup plus ouverte, dans le sens où. Enfin, moi, j'ai vu une métaphore sur le bouddhisme et sur la fin de vie et sur le retour et le retour cyclique de la vie. Bien sûr, la réincarnation. On parle de la réincarnation et de l'amnésie, etc. D'être une autre personne qu'on a été avant. Et moi, je trouvais ça assez touchant et assez osé, finalement, de partir là-dedans. Oui. Moi, j'adore la fin, en fait. La fin est assez. C'est marrant parce qu'elle est quasiment joyeuse. Ce qui se passe est assez on va pas vous spoiler, mais c'est vrai que la fin est un monument de cinéma. En fait, il se passe quelque chose de vraiment démentiel à plusieurs niveaux, et tu as une sorte d'adrénaline qui arrive à la fin, alors qu'il t'a un petit peu posé dans sa ville, etc. Sur la deuxième partie. Et le rythme est très bizarre, et vraiment, moi, j'ai jamais trouvé le film long. Au contraire, moi, je voulais qu'il dure 4-5 heures. T'sais. Les personnages, je les ai tellement adorés. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucune fausse note dans ce rythme, dans ces personnages, dans cette histoire. C'est vraiment merveilleux. Et en plus, comme il y a l'idée du conte, tu pardonnes certaines choses, comme la répétition. Je me fais l'avocat du diable, mais. Ouais, je peux comprendre des gens qui disent que c'est un peu long, dans le sens où un conte, c'est beaucoup moins long en vrai. Oui, bien sûr. Si tu lis un conte, ça fait 20 pages, ça fait 30 pages. Enfin, ça fait pas. Les contes ne sont pas des trucs où c'est en plusieurs parties, mais tu les lis à tes enfants, le soir tu lis que des petites parties. On peut comprendre que le côté répétitif puisse un peu bloquer, quoi. Mais c'est des changements, en même temps il n'y a pas qu'une partie du conte. Encore une fois, la première partie est très différente de la deuxième partie, et la fin est encore assez différente. Donc voilà. Quoi. Non, c'est un film qui vraiment vous fait passer par plein d'émotions. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un film, surtout dans l'animation japonaise, même dans l'animation tout court, un film qui m'en donne autant. Enfin, moi j'ai été transporté, clairement, mais je sais pas, j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur pour cet animé, ce film. Il m'a vraiment estomaqué. Franchement, pour moi, c'est le chef-d'œuvre pour l'instant de l'année au cinéma. J'ai rien vu de mieux. Ça m'a vraiment transcendé.
Alors, s'il y avait bien un truc qui était attendu au tournant, c'était bien le design du film, parce qu'on avait vu ces bandes annonces qui étaient faites façon estampe, limite fusain. Voilà, on se disait, est-ce qu'on allait pouvoir tenir un tel film avec en 2h20 ? Ça rappelait beaucoup les Yamada quand même. Enfin, quand j'ai vu les bandes annonces, c'était un peu. Parce que les Yamada étaient quand même déjà un film, je trouve, un tout petit peu différent du reste des films de. Alors, puis de Ghibli. C'était déjà un enjeu technique, les Yamada, oui, de faire des traits discontinus. Un délire, justement, de faire un côté dessiné à la main, qui était fait par ordinateur d'ailleurs. Oui, hein. Oui. C'était un logiciel de base. Il y a des publicités qu'on voit de Ghibli qui étaient des essais. Ah ouais, d'accord. Pour les Yamada, ouais. Et bah, du coup, là, c'est vraiment du dessin à la main. Il me semble. C'est pas le même logiciel que. Non, c'est pas. Il a pas utilisé le même logiciel que les Yamada. Parce que moi, j'ai eu un doute quand même. Je pense pas du pas tout. Tout le temps. Hein. En fait, je pense qu'il y a des scènes qui sont par ordi. Oui. Pour trouver ce côté pastel, etc., les couleurs. Donc, pour ce qui est des couleurs, c'est quasi sûr. Non, mais je te parle là vraiment des contours. Ouais. Franchement, non, j'ai un gros doute. Que non. Parce que quand tu vois la scène, par exemple, qui tranche vraiment avec tout le reste du film, c'est au bout d'un moment, vous avez une séquence où la princesse Kaguya, elle court, non, ça, elle s'énerve. Ça, c'est à la main, c'est un brouillon oui, mais ça animé, devient, ça fait complètement démentiel. Il y a plein de petits trucs en plus dans le film qui de sont... De séquences comme ça, ouais. Ouais, effectivement. Et là, par exemple, cette séquence-là est clairement une séquence faite à la main, ça c'est clair. Avant, ça devient du coup de crayon. Mais je me dis que vraiment, enfin, je sais pas, ça serait... Si vous le savez, dites-le nous, parce que est-ce qu'il a... J'aimerais bien avoir un making-of. J'ai un peu regardé les interviews où il parlait de choses faites à la main, enfin, justement, de trucs faits à la main, et l'idée de, voilà, du crayon qui devait refaire ressentir une émotion primaire, en fait. Quoi. Bah oui, peut-être une petite adaptation au début, mais au final, les 2h30 sont très bien passées, et je me suis pas dit au bout d'un moment, oh, si j'avais des plus beaux dessins, ça serait mieux, quoi. Non, parce que ça change pas mal justement de ce que fait Ghibli d'habitude, et c'est plutôt agréable parce que Ghibli a toujours eu l'habitude de faire justement, à part les Yamada, de faire Miyazaki-like, quoi. Ouais, il y a un truc qui est sorti récemment sur les filles, les personnages de Miyazaki qui se ressemblent tous, etc. Et c'est vrai que la question qu'on se pose maintenant que les deux vont arrêter, c'est est-ce qu'on va avoir toujours ces mêmes persos avec ces grands yeux, ce côté campagne européenne, ce côté, enfin tu vois les mêmes grands-mères, tu vois. Ou est-ce qu'on ne peut pas partir dans d'autres choses? Et c'est intéressant que Takahata soit le mec capable de dire « je vais un peu casser les codes ». Takahata l'avait aussi fait dans… Parce qu'elle est, quand elle est un peu plus vieille, elle n'est pas super… par moment, je l'ai trouvée… Après, c'est parce qu'elle s'enlaidit un peu à cause de… Oui, de s'enlaidir. Plus de la dépression que de la vieillesse. Mais elle passe, parfois, les dessins sont… Les personnages ne sont pas forcément beaux, en fait. Mais c'est pour ça que je me dis que c'est l'empereur, plus du par crayon. Exemple, tu vois, il est… Et parce que ça, c'est un design qui est vraiment repris. C'est comme la dame qui lui apprend tous les rites et coutumes du quotidien. Oui, c'est repris sur des estampes. La préceptrice, là, voilà, c'est des personnages vraiment d'estampes. Donc, tu sais, à l'époque, avant donc, les mangas, etc., quand il y avait les estampes, ils représentaient leurs héros comme ça. C'est comme si on avait des cartes Dragon Ball Z, tu vois. Maintenant, à l'époque, c'était ça. Il y avait des estampes et chaque personnage, Toyotomi, Nobunaga, etc., ils étaient représentés dans des positions fières sur ces estampes-là. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve là-dessus en termes de design. Et du coup, ça mélange avec l'héroïne, donc Kaguya, le manga aux estampes. Ça fait une sorte de mélange assez bizarre. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors oui, vous n'aurez pas toute la richesse qu'il y avait dans Le Vent se lève, avec tout le monde qui bougeait, avec des traits tous terminés, mais c'est carrément etc. l'inverse, quoi. En fait, parce que Le Vent se lève, c'était le film sur le film. Le film était sur la précision du dessin. Ouais. Parce que c'était le mec qui dessine les avions, tu vois qu'il est vraiment au millimètre. Et donc voilà, le dessin était comme ça, le dessin est parfait. Alors que là, c'est sur l'inverse, quoi. C'est sur l'imperfection des choses. Oui, là, t'es dans du coup, une calligraphie animée, quoi. Que ça soit exactement, ouais, c'est ça. Alors, savoir que Isao Takahata ne dessine pas. C'est pour ça que dans tous ses films, tu as un chara-design, même un style graphique complètement différent. Et dans mes souvenirs goutte à goutte, le chara-design aussi, il était différent. Ils étaient beaucoup plus réalistes, les personnages. C'est pour ça, en fait, il ne s'est jamais, lui, à part dans La rigueur, Pompoko et surtout Le tombeau des Lucioles, limité au dessin de Miyazaki. À ce trait que Ghibli a véhiculé tout le temps. Et ça que j'aime bien avec Takahata, c'est qu'à chaque fois, on voyage en fonction de l'histoire avec un design différent. Enfin, moi, j'ai vraiment été transporté avec celui-là. D'accord. J'ai adoré ce film. Alors, comme Takahata n'est pas un auteur qui dessine,
Par contre, c'est un auteur, c'est de lui que vient l'histoire. Mmh. Par exemple, même les musiques, tu sais, les musiques chantées, ça vient de lui, etc. On a souvent tendance à se dire que c'est vraiment lui, le metteur en scène pionnier, celui qui a les grandes idées de mise en scène, comparé à un Miyazaki qui, lui, va être plus rivé dans l'imagination. Voilà, comment mettre en image cette imagination et comment Takahata va essayer de faire un film comme si ça avait été des personnages réels, tu vois. Et c'est vraiment cette impression que j'ai dans tous ces films, c'est qu'il aurait pu mettre des personnages comme toi et moi, enfin, faire du film live, et il aurait pu faire son film. Mmh. Sauf que même lui, il le dit, hein, que ça ne l'intéresse pas du tout, parce qu'il ne veut pas être limité par le jeu des acteurs, etc. C'est vrai que pendant un long moment, le film prend vraiment une tournure un peu à la Mizoguchi, effectivement, avec des plans super lents, très... Tu restes dans l'esprit de Kaguya à chaque fois. Ouais. Mmh. Et puis, par quoi, d'un coup, t'as des sursauts comme ça, ultra épiques. Notamment une scène où il vole, où elle vole avec son compagnon, là. Et là, t'as des vraiment des plans, par ordi d'ailleurs, parce que t'as des plans survol. Des plans en 3D qui avancent. Et pourtant, en fait, je crois que c'est la 3D qui a fait cette impression où tu avances, parce que les dessins sont faits à la main. Alors, je sais pas s'ils ont pas fait un mix de tout. Et c'est assez étonnant. Visuellement, tu dis, mais où je suis? Et c'est... Finalement, ça va avec le parti pris du film, c'est-à-dire que c'est un design qui est osé, hein, et que lui, du coup, il s'éclate, il se dit, tiens, je ne vais pas m'atteler juste à ce design-là. Parfois, dans des séquences, je vais m'éclater à faire des petites séquences animées différemment, ou alors je vais aller encore plus loin avec mon design. Enfin, il part vraiment dans des tripes de réalisation qui sont... Pas comme si on voyait un film linéaire, quoi, avec le même idée. T'as juste fait un gros sandwich, quoi. Oui. D'accord. Là, c'est un sandwich qui part un peu partout. Et du coup, on est toujours surpris. Mm. Même quand il y en a qui ont trouvé que c'est un petit peu long, moi, j'étais surpris de voir que tout ce qu'elle met, que là, il partait sur un film. Bah, c'est-à-dire que t'as plus l'habitude dans les films d'animation, là, ça soit aussi lent, quand même. Exactement. Et en fait, c'est là qu'on voit les grands metteurs en scène, c'est ceux qui, avec leur mise en scène, déjà ne se limitent pas forcément, mais surtout accompagnent le personnage. Pour ma part, vraiment, il a adapté sa mise en scène de chaque scène en fonction de l'état d'esprit de Kaguya. Ouais. Et puis la fin est aussi très différente. Quoi. Et oui, exactement. Parce qu'il sait à chaque fois capter les émotions, mais pas juste avec un gros plan. C'est dans sa mise en scène globale de chaque séquence. Et il arrive à créer des sortes d'unités segmentées qui regroupent tout pour faire un film. Mais ce n'est pas forcément tout le temps la même chose. Et moi, ça me touche vraiment. Et ça, je me dis qu'un grand metteur en scène, il doit d'abord t'apporter des personnages avant tout. Il ne doit pas se dire, tiens, je vais mettre ma caméra là pour faire fun. Non, c'est je la mets là parce qu'il y a le personnage qui éprouve ça. Ou parce que j'ai envie de vous faire éprouver ça par les yeux de ce personnage-là. Et c'est ça que j'adore chez ce mec. Ah, j'adore ce film. Non, mais en fait, je voulais juste dire que j'étais séquestré. Dis que c'est bien. Dis que c'est bien. Dis que c'est bien. Oui, et puis rappelle-toi, on avait interviewé Yvon Maillard qui avait fait une interview, un documentaire sur Miyazaki. Sur Miyazaki et lui, du coup, Miyazaki, il avait. Voilà, et Takahata était assez pessimiste dans sa façon de voir les choses parce qu'il disait qu'il avait raté un petit peu un truc contrairement à Miyazaki. Et il y avait ce côté un peu. Enfin, il savait que Miyazaki a pris une. Le nom de Miyazaki a pris une ampleur. Oui, que Ghibli, ça voulait dire Miyazaki. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est bien, ça lui permet de faire des choses différentes. L'attente n'est pas la même. Quoi. Quand tu voyais ça, le mec était un peu résigné, alors que c'est Takahata, quoi. J'aimerais être à le quart de ce qu'il ce qu'il a fait. Bon. Mais bon, après, il a quel âge, Takahata? Je crois qu'il a dépassé les 80 ans. D'accord. Il est plus vieux que Miyazaki, pour ça, d'avoir fait un film comme ça, à 80 ans, avec toute cette dynamique. Enfin, moi, je suis impressionné. Ah ouais, putain, moi aussi à 80 ans, je fais la moitié. Moi aussi à 80 ans, je peux manger tranquille. Je peux aller au studio, aller faire caca tout seul. Tout seul. C'est déjà bien. Je suis heureux, quoi. J'ai pas besoin d'aller faire le passage Kaguya. Tout va bien, quoi. Alors, Scoop, la musique du film a été faite par Joe Hisaishi. D'accord, ok. Ouais. Donc tu vas me dire, mais c'est normal, c'est un film Ghibli. Mais non, Joe Hisaishi, c'est surtout pour Miyazaki, en fait. C'est vraiment le compère de Miyazaki, comme il avait été aussi à une époque de Kitano, Takeshi Kitano. En fait, il faisait toutes ses BO. Et en fait, avec Dolls, c'était Dolls, le film de Kitano, il y a eu une sorte de conflit artistique, et du coup, il a pu refaire les musiques. Mais par contre, il est toujours resté avec Miyazaki. J'avais lu un interview qui peut être intéressant par rapport à Miyazaki, c'est une petite parenthèse. Il disait justement qu'il était un tout petit peu triste
par rapport à Miyazaki qu'il collaborait moins depuis, depuis Chihiro. Ah oui, d'accord. Alors je sais plus s'il disait que Chihiro, ça n'avait pas été le dernier film où il avait eu le temps de mettre les musiques et de réfléchir avec lui, d'accord. Mais il disait que depuis, il n'avait plus le temps. Et qu'en fait, du coup, il était obligé de faire les musiques et que c'était bien, mais que c'était plus la même collaboration qu'avant, quoi. Pour faire des paraboles sur le processus de production, que c'était mieux avant, qu'il y avait plus de temps pour les auteurs. Non, c'est plus du genre, maintenant Miyazaki, il veut trop. Non, c'est ça qu'il disait, il veut trop maîtriser tout. Ah oui, du coup, d'accord, il laisse moins de latitude. En fait, ouais, d'accord, ok. Donc, du coup, voilà, il sait de là à là, tu fais la musique. Oui, parce que pour un long métrage comme ça, par exemple, un Ponyo ou n'importe quel autre film de Miyazaki qui est fait à la main, qui a déjà des storyboards bien détaillés et que la musique se fait déjà sur ça et n'attend pas le résultat final. Il disait que c'est rare de ne pas avoir le temps. Sur Porco Rosso, ils avaient eu le temps de retoucher, même lui, il avait retouché l'animation pour qu'il puisse retoucher le truc. Et il disait que c'était que les deux travaillent en symbiose, que finalement, lui, il a fait une transposition. Et il disait que c'était moins ça maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement sur celui-là, il y a quand même des nouvelles choses de sa part. Et vous savez quoi ? J'ai été complètement estomaqué de voir que c'était Joe Hisaishi qui avait fait cette musique-là. Je l'avais même pas lu le générique et je l'ai vu plus tard et j'en croyais pas mes yeux. Je me disais mais ça a rien à voir avec ce qu'il nous fait d'habitude. Enfin on n'est pas du tout dans du Joe Hisaishi là. On reconnaît des petites choses. J'ai pas trop fait attention. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus du parler qu'effectivement comme on est dans un truc plus traditionnel, on a de la musique traditionnelle qui revient, etc. Ouais, mais il y a des si musiques qui prennent chante, une ampleur assez moi dingue. J'adore à la fin en fait quand t'as le à toute fin, il y a un personnage avec des flûtes comme ça qui arrive. Et c'est censé être tout triste. Et le mec, ils arrivent toujours. C'est génial. Et là, je pense qu'il a dû travailler avec lui bien plus parce que Takahata a écrit les paroles des chansons. Ah oui, bah oui, forcément. Mais je sais pas s'il y a que Joe Hisaishi qui a travaillé sur ce film en termes de musique. Parce que ça me pose la question sur la musique parce qu'elle chante beaucoup dans le film, la même chanson tout le temps. Non. Et donc, je sais pas si. Peut-être que ça, si c'est un truc qui a été repris. C'est quelque chose que Joe Hisaishi a pas fait. Lui, il a fait peut-être que l'instru, la BO générale. Je sais pas, mais en tout cas, la musique m'a fait rentrer dans le film. C'est-à-dire qu'elle m'a accompagné sans être trop grossière, c'est-à-dire sans avoir un son qui restait dans ma tête tout le temps, tu vois. C'était pas la techno, peut-être. Non, exactement, c'est ça. Bah, c'est rare quand même que... Non, mais... Non, parce que regarde, Hisaishi, généralement, il te fait une musique qui... Tu ressors du film, tu l'as dans la tête. Là, t'as vécu la... J'ai pas celle du dernier Miyazaki dans la tête, et j'aime bien celle du dernier Miyazaki, parce qu'il y a un côté très félinien. T'as quand même un main theme qui était récurrent dans le film. Ouais, mais il y avait des paroles, je trouve qu'il y avait des nouvelles choses aussi. Il y avait le côté un peu félinien, donc par rapport au film de Fellini, avec des cymbales, des choses comme ça, qui étaient un tout petit peu différents. Comme c'était moins porté sur le merveilleux, effectivement, il fallait se raviser, quoi. Ouais, et puis c'est parce qu'il y avait tout le côté italien, à mon avis. Mm. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, il y a un film qui va ressortir au cinéma, à mon avis, qui est à Paris, mais si vous pouvez le voir ailleurs ou en DVD. Et je crois que c'est avec sa musique, c'est un film de Buster Keaton. Donc un film muet, je crois que c'est Le Mécano et la Générale. C'est ça, exactement. Et il a fait la... Mais il l'a fait il y a longtemps, la musique. Je sais pas si il ressort avec cette musique-là, mais en tout cas... comme c'est des films muets, les partitions sont refaites parfois par d'autres auteurs. Et lui, il a refait une partition originale de tout le film. Et j'ai écouté des morceaux et c'est assez superbe. Il faut imaginer du Miyazaki mélangé avec du burlesque classique. Ça donne un truc, t'as envie de voir le film revoir la musique. Et je sais pas si les gens ont l'occasion de voir ce film-là, mais jetez un coup d'œil, ça a l'air vraiment. C'est vraiment une très belle partition. Quoi. C'est intéressant de redécouvrir des films muets comme ça avec d'autres compositeurs, parce que souvent. On a un autre regard sur ces films, parce que on va dire ça dénature l'œuvre originale, mais après je sais pas ça trop. Ça dépend dans quel. Il y avait le Kurase Potemkin, il y avait eu plusieurs BO dessus et du coup ça changeait vraiment l'émotion. La version de Rammstein était un petit peu. Ça aurait été génial. C'était un petit peu bizarre quoi. Mais bon, en tout cas moi la musique j'ai vraiment adoré. Je suis surpris que ce soit. J'ai compris que t'as aimé le film. J'ai aimé le film. Bon, vous l'aurez compris, il faut absolument que vous alliez voir ce film pour plein de raisons. J'ai pas compris. Je pensais que t'avais pas aimé. Non, tu vas le revoir ce film d'ailleurs. Non, et franchement, un film comme ça, d'une part, c'est le dernier film d'un maître, un grand maître de l'animation japonaise. C'est le nouveau film du studio Ghibli. Voilà, c'est au cinéma. Franchement, allez-y. Débrouillez-vous, faites 400 km, je m'en tape. Mais allez voir ce film. Il faut,
Je sais pas, c'est pas possible de se dire que tiens, ouais, je pouvais aller au cinéma quand il y avait Kaguya et finalement j'y suis pas allé, je l'ai regardé en DVD. Tu es pas d'accord avec moi? Si. Non, t'as intérêt, sinon il y a une... j'ai là pour le bras gauche. Non, non, mais si, c'est un super film. Il a pas, y a pas vraiment de personnes qui ont dit qu'il était mauvais ce film. Les gens n'adhèrent pas parfois à la lenteur du film. Mais voilà, c'est comme je dis. Prenez pas de Xanax quand vous allez regarder le film, quoi. Non, non. Mais disons que c'est le genre de film voilà, où il faut les voir parce que c'est des films importants de grands cinéastes et que ça n'arrive pas beaucoup d'avoir des réalisateurs comme ça qui ont l'occasion de faire une sorte de dernier grand film. Oui, c'est ça. Puis moi, peut-être pas son dernier. Vraiment, cette impression d'un âge d'or des studios japonais. Tu sais, un film des années 40-50. Qui voulait en raconter beaucoup avec des grands acteurs. Enfin, c'est comme un monument, c'est un grand film, quoi. Tu vois, c'est assez rare de voir ça en animation japonaise. Je trouve ça un peu dommage qu'il sorte en été, moi, par contre. Mais bon, bref. Parce que les gens n'ont pas envie de voir Princesse Kaguya. En été, non. Ouais, c'est vrai qu'en hiver, enfants, ça aurait été plus logique. Pour les enfants, c'est pas le film le plus accessible. Il fait 2h20. Finalement, le film est quand même assez triste. Et il parle de choses quand même vachement pour les adultes malgré le ton. Mmh. Et j'ai un peu peur qu'il ne trouve pas trop son public parce que les gens vont dire ah, le style il est tout mignon, je vais amener mes enfants. Oui, effectivement. Et, en fait, il dure 2h20 et en fait, la thématique est vachement plus dure. Alors, c'est pas un film. Et ça, en France, on n'a pas l'habitude. Déjà, de ce 2h20, genre de choses, 2h20, les enfants, ils en peuvent plus à la fin. Mmh. Effectivement, le graphisme il peut dérouter. Et l'histoire, elle est trop adulte. La première quoi. Partie, elle est jolie, mais. Enfin, pour les enfants, c'est possible, mais la deuxième partie est vachement plus dure, quoi, plus compliquée. Quoi. Donc, c'est un film vachement mature, en fait. Hein. Oui. Les gens qui seraient un petit peu. Voilà. Mmh. Bon, en tout cas, allez voir ce film. Allez aussi sur le site Animeka, notre partenaire. Hein, on fait un gros bisou. En plus, ils ont relancé, ils ont plein de. Ils font des concours de super-héros, c'est-à-dire, enfin, de héros, du moins. D'abord, il y a les héros masculins, bien sûr, le gagnant, ça a été Sangoku. Après, il y a maintenant les héros féminins, oui. On s'en doutait, quoi. Et donc, allez-y, si vous voulez voter. Les héros féminins, c'est Sangoku aussi, parce qu'il a une voix de femme. Et en tout cas, je vous dis à très vite dans un bac anime, un bac cast, dans un cinéfuzz. Hein, on se retrouvera avec la nouvelle formule de cinéfuzz, sortie de projection, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee, à nous soutenir, du moins. Et en tout cas, on vous fait des gros bisous. Salut. Salut. Pour ce faire, j'ai invité Fabien. Salut à tous et bienvenue dans ce Backcast, j'espère que vous allez bien. Et bah, pour aujourd'hui, il y a Fabien. Putain Je me dis si c'est une blague ou pas, mais...